Salut les amis, c'est The Wotan, bienvenue sur l'épisode 5 de la solution de Crash Bandicoot 2, avec pour objectif les 100% du jeu. Alors, petite piqûre de rappel, hein, au dernier épisode, on s'était arrêté à 42%, et on avait donc découvert un passage secret qui va m'emmener, hop là, dans ce niveau-là, qui est un niveau du deuxième monde, et qui va me permettre d'avoir la gemme des caisses que j'avais laissée de côté exprès au début. Voilà. Alors c'est parti. Alors pour ceux qui sont motivés, ici sur la droite, vous pouvez rebondir sur les caisses pour récupérer les vies. Très sincèrement, pour moi là, c'est pas l'objectif. Ce que je veux, c'est récupérer les caisses et avancer le plus possible. Je vous le dis très sincèrement. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il y avait quand même quelques vies à récupérer. Hein. J'ai pas envie de prendre le risque. Oula. Avec ces espèces de petites tornades là. Voilà. Alors ce petit passage secret, très très court. Peu de caisses, hein. Mais la caisse qui permet de désactiver toutes les nitros, donc on arrive à 46. Et donc forcément, ça m'y manquait une certaine quantité pour avoir la gemme des caisses, hein, forcément. Alors là on revient au tout début du niveau, hein. Pas besoin de revenir en arrière. Coucou panier. Pas besoin d'aller faire le passage secret là-bas à droite non plus, c'est déjà fait. Donc il y a juste à faire le niveau à l'ancienne, sans se préoccuper du reste. Ça fait du bien de temps en temps d'ailleurs. On va le laisser passer, c'est fait. Voilà. Il est passé à ras des fesses, lui, hein. Allez, niveau bonus. Oh! Ah, dis donc, j'ai failli me casser la figure. Ça va pas la tête là? Le but c'est d'avancer, hein, mon coco. Hein. Pas d'être en plein total craquage! Ok, je suis bien au bord, c'est parti. Ok, parfait. Allez hop, on y va. Cassos. Ok, très bien. Ok. Oh, je suis allé m'engouffrer dans le petit coin, dis donc. Ah, j'ai raté mon coup, là. C'est pas cool. C'est pas cool. Voilà, on n'aurait pas pu faire ça du premier coup. Non, il a fallu que j'aille faire trempette avant. Enfin bref. Voilà. La petite plante carnivore, on va lui faire péter la tête. Paf! Allez hop, salut! Oui, alors ici, là, il faut passer sur la gauche avant pour aller récupérer les caisses qui sont au bout de la plateforme. Voilà. Parce que sinon, si vous prenez tout de suite là, l'overboard là, ou l'overboard, je sais même pas comment ça s'appelle, tiens. Si vous le prenez tout de suite, après ça va être galère. Hein. Bon, y a une technique, hein, en,
En perdant son masque et en s'aidant de la mine dans le coin, on peut aller sur la plateforme et récupérer les caisses, mais bon. Autant éviter et penser à aller chercher, puisqu'en plus il faut absolument un masque, sinon c'est mort. Alors ici, derrière, il y a une mine, sauf que je peux passer. Et donc ici... Ah, en plein dessus, tiens, je pouvais pas faire plus en plein dessus que ça. Enfin bon, bref. Voilà. Bon, le niveau assez court, hein. Mais au moins, objectif atteint. La gemme est récupérée. Hop, voilà. Voilà, merci, au revoir. Ça c'est fait. Donc sur ce niveau-là, du coup, hein, on a fait, c'est parfait, on a fait le tour. Hein, il nous manquait juste ce diamant-là. Donc c'est une bonne chose. Hein, comme ça, on va pouvoir retourner dans, oups, on va retourner dans le troisième monde et continuer les niveaux dans le troisième monde. Tac, c'est parti. Alors on avait déjà fait ces deux-là, très bien. Bah écoutez, on va attaquer celui-ci. Hein. Donc un environnement nouveau, hein, pour l'instant vous ne l'avez pas encore vu dans les différentes vidéos de Crash Bandicoot 2 que j'ai pu faire là. Donc nouvel environnement, ça fait du bien aussi de temps en temps de changer. Hein. Changer des égouts ou de la forêt ou je sais plus trop quoi. Voilà. Ok, très très bien. Ok. Alors ici... petite parenthèse quand même, le but est de faire toute la première partie du niveau sans perdre une seule vie. Au même titre que vous avez déjà pu voir dans un des niveaux, il y a une plateforme avec une tête de mort. Et donc bah forcément, hein, pour qu'elle soit active, il faut y aller sans perdre une seule vie. C'est l'objectif, hein, et pour l'instant c'est mission accomplie, je vais le dire. Voilà, on va faire un petit tour. Ok, pour l'instant ça. Ah bah la voilà. La voilà la plateforme tête de mort. Elle est là. Hop. Elle est là, la petite plateforme tête de mort. Alors, on y va. Allez, on récupère ça. Ah, c'est fait. Puis la vie, elle a mis les voiles au passage. C'est pas grave. Allons-y. Ok, très bien. Hop. Alors ici... Ah oui. Il faut les faire par deux. Hein. Sinon, merci, au revoir. Ok, on est bon. Hop! Qu'est-ce qu'il y a ici? D'accord. Voilà! La gemme du passage, c'est fait, les amis. On n'a plus à stresser avec ce passage-là. Donc, c'est une très bonne chose de fait. Par contre, où est-ce qu'il m'a remis? On va pas tenter le diable, je sais plus où est-ce qu'il m'a remis par contre. Bon, c'est pas grave, j'espère juste que de toute façon le cristal il va pas me passer sous le nez. Alors, pour info, le diamant des caisses on pourra pas l'avoir du premier coup ici. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça sert à rien de se stresser et de se dire oh là là, il y a des caisses derrière et tout, pas bien. Voilà, ça on pourra le. On ne l'aura que. Par la suite, on pourra pas l'avoir tout de suite. Le seul doute que j'ai, c'est est-ce que le cristal il est derrière ou pas? Et là, c'est le seul truc qui m'inquiète un peu, parce que j'aimerais avoir les deux d'un coup. Bon, ceci dit, hein, pour être... Ah non, derrière, c'est la fin, je crois. Du coup, j'ai raté le cristal. Merdasse. Merdouille, merdouille. Bon, c'est pas grave. Pour être très sincère avec vous, de toute façon, le niveau, on va être obligé de se le retaper pour avoir le diamant des caisses. Bah tiens, allez hop, on laisse la vie, hein. Regardez ce luxe un peu. Ce luxe.
Je laisse les vies derrière, je m'en fous. Oh là 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 là. Mais non, c'est pas possible, il y a des vies derrière, mais qu'est-ce que tu fais? Ah moi je suis un fou, je m'en fous des vies qu'il y a derrière. Parce que je suis un gueudin. Moi. Je serais quand même bien tenté d'aller faire un tour derrière pour voir s'il y a le cristal, parce que je me dis que ça sera déjà une chose de faite. Le problème c'est qu'on voit rien du tout derrière, donc c'est le seul truc qui me fait un peu flipper. J'aime pas ça quand on est à reculons comme ça et qu'on voit rien. Mais bon, why not, hein? Pourquoi pas? Je suis revenu ici, hein. Ok. Ça, c'est pas trop trop grave, mais après, pourquoi pas? Est-ce que j'ai bien fait de revenir? Oui! Il n'y avait pas de plateforme là? Je sais plus, c'est pas grave. J'attendais qu'un truc revienne. Oui, j'ai bien fait, comme ça, il n'y a pas besoin, on va pas avoir à s'embêter, hein, parce que le cristal, il est déjà in the pocket au moins. J'avais un doute, j'avais un doute, j'avais un doute. C'est vrai que la structure du niveau est assez similaire hein, dans l'ensemble en même temps, voilà. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais voilà, la structure est assez similaire dans l'ensemble et c'est pas forcément simple de s'y retrouver. L'avantage au moins, c'est que ça, c'est fait. J'ai pas à me stresser avec. Hein. On ramasse tout ça. Toi, paf, tac. Oula, 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 je l'ai vu venir. Tant pis. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc voilà, comme je vous le disais, hein, diamant des caisses, vous oubliez. Enfin, la gemme des caisses, pour l'instant, vous l'oubliez. On verra ça plus tard. On ne pouvait pas l'avoir. On ne pouvait pas l'avoir. On ne pouvait pas avoir one shot. Hein. Mais bon, écoutez, c'est déjà pas trop trop mal hein, quand même. Hein. On s'en sort avec le cristal et le diamant caché. C'est déjà une bonne chose de faite. C'est déjà une bonne chose de faite. On n'a pas à se stresser avec ça pour l'instant. Voilà, dans l'ensemble, je suis quand même content. Je suis quand même content. Écoutez, on enchaîne. Hop, on va lancer ce niveau-là. Allez, c'est parti! Niveau que j'adore. Bon, il y a pire. Il y a pire. Je l'ai attendu, je me suis dit il va arriver. Et ben en fait non. Je suis pris en pleine tête. Ce sont des choses qui arrivent. Bon alors pareil, hein, j'ai pris mon temps, je voulais pas débloquer le compteur, donc exactement comme la première fois. Mais bon, vous avez vu dans la première vidéo, si je dis pas de bêtises, ce que ça avait donné, hein. Donc le compteur qui est là, vous savez ce qu'il veut dire. Si on se dépêche de le faire, de faire le niveau et d'aller à la fin. Avant la remise à zéro, on débloquera et boum, en plein dessus, c'est pas grave. On débloquera la gemme qui va avec. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On verra ça plus tard, les amis. Putain, je vais te faire péter la tête, ouais. Allez. Et bah, en fait, non. Je n'ai pas fait péter la tête. Tant pis. Allez, on va faire le niveau bonus. Petite TNT qui va bien. Donc 5, je dois passer à 6, 7. Voilà. Hop, hop, et hop. Et voilà. Bon, rien de bien compliqué dans ce niveau bonus.
casse le reste. Allez, c'est parti. J'ai même pas fait attention si j'avais eu un checkpoint ou pas, je sais plus, mais c'est pas grave. Ah, il m'a eu! Dis donc, en plein dans la tête, hein. Paf! Crystal in the pocket. Toi, va te balader. Alors ici, on va nettoyer et récupérer les caisses avant de passer et de prendre cher, hein. Allez, hop, salut. Voilà, parfait. Je vais pouvoir aller prendre mon petit truc tranquillement, sans me faire lyncher au passage. Voilà. Alors, j'ai un peu merdouillé là. Voilà. Oh, one shot, en plein dans la tête. Bah dis donc, je pouvais pas faire pire. Je pensais vraiment qu'en mettant le coup d'accélérateur, j'allais l'éviter, hein, mais là, pas du tout. Je me suis fait bouffer. Littéralement bouffer la tête, hein. Bon bah, on y retourne. Oula, oula, attends, j'ai tout vu là ou pas? Oui, d'accord. Là, j'ai eu un doute. Espèce de petit temps de latence. Voilà, là, j'ai tout vu. Et là, je l'ai évité, non mais. Pas deux fois de suite non plus, hein, faut pas déconner, hein. La nitro. La gemme qui va bien. Et ça fait plaisir, comme d'hab. Cristal plus gemme. Allez hop, vide tes poches. Vide tes poches. Voilà, parfait. Écoutez, jette un oeil sur le timing. Ouais, non, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va pouvoir y aller. Écoutez, je vous propose, bah, on va refaire ce niveau-là en mode speed. En mode speed cette fois-ci. Pour avoir le dernier diamant qui manque. Le dernier diamant qui manque. Allez, on perd pas trop de temps. Hop, hop, hop. Hop. Voilà, très bien. Le compteur, il est bien actif. On récupère le masque. Ça va être important. Ah bah tiens, bah heureusement d'ailleurs, hein. Allez, on se dépêche. Pour l'instant, ça le fait. J'aimerais bien récupérer un autre masque, ce serait pas mal quand même, parce que là, je l'ai perdu bêtement le premier. Voilà, parfait. Eh bah je l'ai perdu bêtement aussi une deuxième fois, écoutez, hein. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on dit jamais 203. Alors est-ce qu'il y a un autre masque quelque part ici ou pas? Ah non, il n'y a pas de masque, mais je vais très mal. Oh là 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 là. Je me suis fait arracher la tête. Voilà. Ça c'est fait. Allez, on y retourne les enfants. Ce serait bien de finir là-dessus, hein, sur la gemme de. Sur la gemme de temps, ce serait vraiment super cool quand même. Et comme ça, on aura bien avancé dans cet épisode-là, encore une fois. Franchement, franchement, ça serait superbe. Après, malheureusement, hein, il peut y avoir des aléas. Et bah tiens, encore une fois, hein, écoutez. Faut croire que je suis attiré à chaque fois vers exactement les mêmes mines. Et les mêmes merdes, hein, pour dire les choses clairement. Allez. Parce que l'air de rien, le temps défile quand même. Ah bah tiens. Décidément, quand je disais. Oh là là, non, pitié.
Non, 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 c'est pas possible là de faire autant de fails là. Hein. Bon, en même temps là, on joue sur les nerfs. Hein. Joue sur les nerfs. En plus, c'est vrai que bon, sur un niveau comme ça, honnêtement, hein, l'idéal venait déjà avec un ou deux masques hein, avant de. Ah, attendez. Ah, j'allais dire quelque chose et je me suis ravisé direct. J'allais dire venez déjà avec un ou deux masques. Honnêtement, je ne sais plus si le masque s'enlève. Non, il s'enlève pas. Je crois pas. Je crois que je dis une bêtise. Donc oui, hein, donc du coup, je vais rester sur ma position et sur ce que j'allais dire. Hein. Venez déjà avec un ou deux masques. Comme ça, vous n'êtes pas embêté. S'il y a une petite merdouille en chemin, et bah au moins voilà, vous pouvez rectifier le tir avec le masque que vous avez. Ça évite de vous arracher les cheveux. De faire des conneries. Comme là, je le fais. En direct live, les amis. Il ne reste pas beaucoup de temps. Hein. Faut pas que je traîne quand même. Non! Oh non! Ok, d'accord. Allez, pète-toi la tête. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, je crois que vous avez tous vu ce qui s'est passé. Hein? En même temps, la première fois, j'avais eu plus de chance quand même hein, sur ce niveau-là. Ah, je suis allé un peu vite. J'avais eu plus de chance sur ce niveau-là, au niveau du timing. Mais alors là, être à 2 mm du diamant, de se dire, ça y est, je l'ai, c'est plié, on ferme l'épisode, on continue, on passe à autre chose, enfin. Et ben en fait non. Et ben en fait non, il me passe sous le nez, et puis bah ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Honnêtement, je pense qu'il me manquait même pas une demi-seconde. Là, je suis un peu dégoûté quand même. Hein. Bah écoutez, je dois pas être le seul, je pense que devant votre écran, vous devez être en train de rager, en train de vous dire, mais c'est pas possible, le truc qui lui est passé sous le nez. Bah je confirme, hein, ça m'est passé sous le nez, hein, vraiment sous le nez. J'ai même entendu le petit bruit là, genre salut, allez hop, tu m'as vu, bah salut. Bon, vous devinez bien que du coup, comme vous avez pu le constater, hein, c'est donc la gemme jaune qui va nous permettre d'aller dans le niveau qu'on avait fait un peu plus tôt, où il manquait. Aïe aïe aïe, il me manquait donc le transporteur jaune. Et donc là, bah, ça sera chose faite. Hein. Ça sera chose faite vu que ce diamant-là, et bah, il est là. Je me suis bloqué encore, hein, dis donc, décidément. Ah, et là, il n'a pas mis les voiles. Bon, écoutez, je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas tout compris. En plus, littéralement, les nerfs qui lâchent. Hein, ça fait un petit moment que je suis en tournage. Je commence à fatiguer. Pourquoi tout à l'heure, il a mis les voiles et pas là? Je ne sais pas. Ne me posez pas la question. Ceci étant dit, on est à 50%. Donc, tout pile, tout pile, tout pile, la moitié du jeu. sur ce, je vais vous quitter les amis. Je vous dis à très très bientôt. Un j'aime, ça fait toujours plaisir. De la même manière, n'hésitez pas à me suivre en vous abonnant à ma chaîne YouTube et en allant faire un petit tour sur ma page Facebook. Partagez mes vidéos, commentez, hein, je répondrai à tout. Je vous dis à très 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 bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde, ciao ciao.